Les voies, les petites voies de contournement sont également bloquées, ce qui empêche donc l'échange entre le Niger et le Bénin. Et donc les commerçants nigériens ne pourront pas, au-delà de la fermeture de la frontière, profiter d'autres voies de contournement. Et vice-versa, les Nigériens ne pourront pas non plus profiter de voies de contournement pour venir faire les activités au Bénin. C'est fermé dans tous les sens. Il n'y a plus moyen de passer du Bénin au Niger. C'est ce à quoi on assiste, Robert. Je pense que les autorités béninoises, bien que ils avaient suivi le mot d'ordre de la CEDEAO en fermant leurs frontières avec le Niger, ont même souhaité qu'il y ait intervention militaire au Niger pour pouvoir amener l'ordre constitutionnel. Après un moment, alors le président béninois, Patrice Talon, a ravisé. Il est revenu sur ses positions et il a pris acte de l'installation des nouvelles autorités nigériennes et a même plaidé pour que voilà, la CEDEAO puisse ouvrir les frontières, ce qui fut fait. Et le Bénin s'est empressé pour ouvrir ses frontières. Le Bénin a tendu la main au Niger, mais force est de constater que du côté nigérien, la blessure est encore sur le cœur, la plaie est encore très béante et donc, comme à Libye, pour ne pas ouvrir la frontière, les autorités nigériennes ont dû trouver que des bases militaires entretenues par des supposés mercenaires français qui alors entraîneraient des terroristes pour venir s'attaquer au pouvoir du Niger. C'est ça leur déclaration. Mais je pense que aujourd'hui on ne peut pas départir, on ne peut pas changer. Alors les Haoussa du sud du Niger, les Bariba du Bénin, c'est encore impossible. Le Bénin, le fait que le Bénin, moi je dirais que peut-être est exacerbé par cette non-reprise de relations diplomatiques, commerciales et autres économiques, même entre le Niger et le Bénin. Les autorités béninoises ont dû alors ajouter acte à la parole, puisque la fois dernière, ils ont dit si on peut prendre leur maïs et tout ce que, voilà, on prend par le fleuve Niger pour aller de l'autre côté et aider alors le peuple nigérien alors d'avoir du céréal pour ne pas alors en pâtir de cette fermeture de frontières. Si on ne peut pas le considérer comme des ennemis, il ne doit pas avoir de problème entre le Niger et le Bénin. Voilà, la fois dernière, on a vu les responsables de WAPCO venir plaider pour le premier chargement de leur tanker en pétrole brut. Sauf que ce pétrole chargé en brut va directement en France pour être raffiné. La géopolitique aujourd'hui complique les relations entre les pays africains. Je pense que c'est seul le Mali qui arrive à bien gérer ses relations avec ses voisins. Et donc, je dis, le Bénin n'a fait que de tic au tac. Mais moi, je prie pour qu'il y ait un dégel, que les activistes ne mettent pas de l'huile sur le feu, ne serait-ce que pour que voilà, les relations entre les peuples puissent être rétablies pour alors le développement harmonieux des deux pays. Merci beaucoup. Vous savez, en politique, il y a le donnant-donné. Je te donne quelque chose, sauf si tu m'offres quelque chose en contrepartie. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on est là pour faire des affaires à la tête de l'État ou bien on est là pour défendre les intérêts des citoyens? Si vous voulez défendre les intérêts des citoyens, que ce soit du côté du Niger comme du côté du Bénin, mais écoutez, il faut arrêter quand même de casser les pieds aux gens. Il faut arrêter à un moment. Il faut arrêter. Quand on est dirigeant, il faut prendre en compte les intérêts de la population. Aujourd'hui, les commerçants nigériens ont besoin que les frontières soient ouvertes entre les deux pays. C'est une réalité. Et donc, on ne peut pas faire fi de cette réalité-là. Quand on le dit, les gens pensent dans les commentaires que nous sommes en train de défendre le Bénin. Ce n'est pas le cas. Nous défendons l'Afrique. Comment vous voulez qu'on parle des États-Unis d'Afrique quand le Niger et le Bénin peuvent se faire la guerre jusqu'à ce point? Les deux peuples n'ont aucun problème. Le Nigeria vient de faire une proposition
de trouver un moyen pour qu'on puisse atteindre ou rentrer au Niger par les frontières ouvertes de l'autre côté entre le Nigeria et le Niger. Et donc, les autorités nigériennes devaient revoir leur copie pour que ce problème soit vite réglé. Et aussi, Patrice Talon et son gouvernement ne doivent pas fermer la porte quand même au dialogue. Il faut continuer par tendre la main, pas tendre la main parce qu'on est faible, mais tendre la main parce que nous sommes des frères. Merci. Oui, on a l'impression que la désescalade entre le Bénin et le Niger, ce n'est pas pour, pour aujourd'hui. Le bras de fer, au jour le jour, hein, s'empire. Et ce sont les populations qui en souffrent. Et du coup, quand on fait une analyse approfondie de la situation, il doit y avoir la défense des intérêts d'autres puissances dans tout ça. Si on fait une analyse approfondie de la situation. Parce qu'il s'agit d'abord, c'est vrai qu'on a connu la position du Bénin le 26 juillet 2023, lors du coup d'État. Et les Taléinois, ils ont pris des sanctions ensemble, les sanctions injustes criminelles contre le Niger, ce qui n'est pas prévu par les accords, par les tests de la CD, on a tout fait. Et aujourd'hui, il est vrai quand même qu'il y a question d'acheminement du pétrole du Niger vers... Il faut signaler aussi que le Bénin a fait un rétropédalage. Vers le Bénin. Mais ce rétropédalage ne convainc guère les autorités nigériennes qui savent, elles seules qui savent pourquoi. Les autorités nigériennes savent. Ce ne sont pas des petits, ce ne sont pas des bambins. Les autorités nigériennes savent, connaissent mieux la situation que nous qui parlons ici. Il devait y avoir d'anguilles sur roche. C'est pourquoi jusque-là, les autorités nigériennes refusent de fermer. C'est-à-dire il y a une cause. Il y a quelque chose à l'origine. Et c'est ça qui crée. Maintenant, c'est la situation de pipeline. Le pétrole, le pipeline, ça ne passe pas par la frontière terrestre. Parce que c'est un canal qui est tracé. Sous la terre. Sous la terre. Ça peut passer, mais ce n'est pas parce qu'on a fermé la frontière que le pipeline ne va pas fonctionner. Ça viole la fermeture. il y a un accord entre le Bénin et le Niger qui sous-tend l'acheminement du pétrole. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Les autorités nigériennes ne sont pas toujours convaincues de la bonne foi, je ne sais pas si c'est la bonne foi qu'affiche toujours le président Talon. Et donc quand il est question de la sécurité et que les autorités nigériennes disent qu'il y a des forces françaises qui sont quelque part, ben, qu'est-ce qui empêche le président de dire, ok, vous voulez que ça soit. Donc, mettons une commission en place, alors regardez, fouiller avec des militaires, regardez pour voir ce qui ne va pas, pour s'assurer. Et donc, c'est sur la souveraineté, pourquoi laisser un autre militaire venir fouiller sur si vous avez chez nous, vous les voyez faire ça. Non, ce n'est pas ça, il y a des Wagner. On sait qu'il y a des forces spéciales russes qui sont là, des instructeurs. Ça, on le sait. Maintenant, le Bénin refuse qu'il n'y a pas de forces françaises. Bon, vous refusez. Vous avez la bonne foi. Donc, voilà ce que nous disons. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Au Bénin, oui. Il y a des forces françaises ou pas. Voilà, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que quand on met les intérêts d'autres puissances en jeu, on est en train de nous faire mal. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui entre les pays frères, le Niger et le Bénin. Qui sont censés vivre. C'est les Nigériens qui le veulent. Les Nigériens continuent pas à dire qu'il y a des forces françaises. Il y a un mensonge, la manipulation de la jeunesse, on en arrive là. S'il vous plaît, on va reprendre tout doucement. Alors, comment expliquez-vous que le Bénin, qui était dans une logique d'apaisement, finit aussi par fermer le peu de voies qu'il y a pour permettre aux commerçants de continuer par échanger avec les autres commerçants du Bénin?